No se puede medir. la gloria no se puede olvidar. La rendición no es una opción. Eh bien, bonjour à tous. Alex Benito. Nouvelle vidéo. C'est la fin de saison. J'ai tourné directement après. On est parti pour une vidéo un petit peu chill puisqu'on va faire le dernier match mais surtout le mercato puisqu'à partir de maintenant, notre classement ne dépend plus du dernier match. Donc, on est certain d'être en Ligue des Champions grâce à cette victoire 5-0 sur le Real Saragosse. On les a bien, bien bouffés. Avec des buts de Campos de Pavlidis, de Nyanzu, de Pavlidis et aussi de Pedrola. Donc on va découvrir ensemble les budgets initiaux pour la saison. Et puis on va commencer à faire le mercato sur le même format de la dernière fois. Donc là j'attaque directement au 16 mai. Et on va attaquer tout, euh, toute la préparation du mois de juin, juillet, août. Donc on est parti pour euh, une longue vidéo. En tout cas pour moi. Je vais y passer toute l'après-midi dessus. Et puis après je vous ferai le montage de tout ce qui s'est passé. Comme ça vous ne louperez rien. Du mercato, et on verra aussi toute la démarche de construction d'équipe. Parfois, faut réagir aussi à certains événements euh, si on reçoit des offres, par exemple pour Pavlidis, on l'espère. Donc, on verra comment on peut réagir et sur quelle piste on va partir. Donc, nous voilà qualifiés en Ligue des Champions. Et les budgets initiaux 31 millions. C'est pas excellent, c'est un petit peu mieux que l'année dernière. Mais encore une fois, on est obligé de s'appuyer sur des ventes. Parce que sinon, euh, si on ne vend pas, on est aux alentours de 31 millions. Sachant que j'avais préparé aussi la dernière fois quelque chose que j'avais totalement oublié, c'est les fins de contrat. Et sur les fins de contrat, je suis allé chercher deux joueurs qui vont signer officiellement. Je vous l'annonce directement. Comme ça, euh, on n'est pas dépaysé. Ce sont les arrivées de Lazare Samarzic gratuit. Alors, il demande un salaire qui est assez élevé et surtout une prime à la signature. Je crois que je paye 10 millions de primes à la signature. Mais bon, comme il arrive gratuit, c'est comme si le joueur m'avait coûté 10 millions. Alors qu'il en vaut beaucoup plus. Il est vraiment excellent. Je suis très très content de pouvoir recruter euh, Samarzic. Donc en fin de contrat. Mais aussi Jota. Jota, on, voilà, on le sait, c'est un bon joueur. Je vous avais dit que j'avais besoin d'un joueur polyvalent sur les côtés, à la fois technique, mais aussi avec un petit peu d'expérience, j'ai réussi à baisser son salaire à 600 000 au lieu de 1 million, mais en contrepartie, je paye encore euh, pas loin des 10 millions de primes à la signature, donc on a déjà 20 millions qui euh, risquent de partir sur ces deux jours-là, et Lucas Roman, euh, c'est un joueur qui va venir pour l'équipe B, qui est libéré par le Barça, pourtant je le trouve pas mal, donc, je pense que pour mon équipe B, ça devrait être très correct. Mais déjà, les arrivées de Jota et de Samarzic, j'en suis très très content. J'espère que ça nous fera franchir un cap pour la saison prochaine. Ah, Rico préfère Pavlidis à Hollande. Ben, non, hein, pas du tout. Les dépenses salariales, on est vraiment très très bas. Donc, on peut se permettre euh, d'aller chercher des gros salaires. Parce on dépense que 26% de notre, euh, de notre chiffre d'affaires. Et grosse surprise. Je vous l'ai pas dit, grosse surprise en Liga. Bon, on savait que le Real allait être champion. Mais Valence, c'est dernier. Valence va être relégué. Donc j'ai lancé quelques observations là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs intéressants à récupérer, surtout chez les jeunes Mais là, c'est vraiment une énorme surprise. Pecheguero passe professionnel. Vous avez vu, je vous en ai profité pour m'amuser un petit peu à mettre des faces un peu plus réalistes à certains de mes new -gen, notamment au Vénézuélien. Jonathan Pecheguero. Et j'ai fait la même chose aussi pour Sergio Romero et pour Luis Munoz. J'ai trouvé un pack. Un pack de face généré par euh, mid-journée et je les ai installés manuellement. Porto remporte l'Europa League. Franchement, c'est très bien. Je ne sais pas qui c'est qu'ils ont battu. Ils ont battu West Ham. Okay. Franchement, pas mal, hein. pas mal. Pas mal, pas mal. Pour le dernier match, je vais le faire, mais je vais pas. Je vais le cut au montage de manière à... à écourter un peu la vidéo et vraiment concentrer la vidéo spécialement sur le mercato, parce que dans tous les cas, on va terminer deuxième, hein, ce qui est vraiment énorme. On a gagné 2-0 encore en gros-gros match Dylan Mélier, je pense à remettre le joueur cadre de la saison prochaine, but de Juan Lu et de Luca Romero. Luca Romero qui s'est un peu réveillé, mais bon, c'est sur des matchs euh, sans importance, moi je l'attendais en Ligue des Champions, on l'a pas trop vu, hein, Luca Romero, donc on va faire un bilan. Je vais pas le laisser partir volontairement mais s'il y a des offres qui arrivent euh, j'accepterai parce que lui a demandé à, à être transféré parce que soi-disant je l'ai pas mis ailier, alors que si j'avais mis Elié. bref si on regarde l'effectif euh, il pourrait y avoir quelques départs mais à part euh, Luca Romero même Farias voilà c'est deux joueurs qui peuvent partir ainsi que pavlidis Toujours observé par Al Nasser. Abaldo n'est pas appelé à la Coupe du Monde de 2026 avec l'Uruguay. Et en Argentine, il euh, n'y ben, a pas Luca Romero qui est très, très déçu. Je suis entraîneur espagnol de l'année. Alors que je suis français, mais c'est l'entraîneur de la Liga. Devant de Zerbi et Paolo Souza de Mallorca. Exceptionnel. Donc, c'est vrai que là, les dirigeants, ils sont très, très contents de la saison. La Copa del Rey, on l'a gagnée. Euh, se qualifier en Europa League, ben, on s'est qualifié en Ligue des Champions. Euh, être compétitif en Ligue des Champions, on a fait un quart de finale. Euh, dépenser le budget, ben, on l'a fait, enfin, là, même s'il m'en restait en vrai. Euh, rester dans la limite du budget, la réputation du club, ils sont satisfaits, et jouer en football offensif et recruter des joueurs espagnols, ils sont contents. Ça, c'est du côté euh, des dirigeants là, et même les supporters sont ultra contents. Donc, ouais, j'avoue que c'est assez rare euh, que je sois aussi bien dans une carrière avec Séville. Cinq joueurs à la Coupe du Monde, il y a Diomande, Ricardo Pepi, qui va faire la Coupe du Monde et qui sera un de nos attaquants. Je vais le faire monter direct en équipe première. Il va jouer. Euh, ça c'est certain puisqu'il a réalisé 18 buts avec Valladolid Donc il a vraiment fait une belle saison Et c'est pour ça qu'il euh, va devenir euh, un, un joueur important de l'équipe première la saison prochaine Il y a aussi Pavlidis, il y a aussi Dyrilso et euh, Santiago Mellé Dans la maillot vendue Jetson a vendu beaucoup de maillots alors qu'il a jamais joué c'est incroyable Profil des supporters on a gagné 3 millions de followers On a gagné quelques footix Et c'est City qui remporte la Ligue des Champions face à Arsenal 2-0 non, mon équipe B qui se fait reléguer à la dernière journée. Aïe aïe aïe, c'était compliqué. Hein. C'est compliqué quand tu vois que c'est que des équipes premières et que moi c'est mon équipe réserve. Euh, même avec Andor et tout, on va euh, aller en troisième div alors qu'on était en deuxième. Cette équipe de Sevilla Atletico. L'intérêt c'est de pouvoir euh, bah, jouer en Liga DOS. Euh, pouvoir éviter les prêts dans ce genre de club en gros. Hop, on prend l'argent. Et la fin de saison, les joueurs sont en vacances. Retour le 29 juin. 29 jours de, de vacances. Et donc effectivement, le résumé commercial, Jetson est le plus de maillots vendus sans avoir joué. C'est quand même assez incroyable. Avec Diomandeo, Campos, Luca Romero et Pavlidis. 8 millions quand même de produits dérivés. Ouf. Ah oh non. Oh non, mais c'est pas vrai. Je suis maudit. On ne pourra pas le vendre. Les croisés pour Pavlidis à la Coupe du Monde. 6 à 8 mois. Ah putain. Alors là la valeur là la valeur ça va être chaud. Ah oui, il y a plus personne qui s'intéresse à lui forcément. Voilà le coup dur, le mercato n'a même pas commencé. Ah oh, putain Offre de Marseille pour Obando mais non. Non non, au contraire, bah ça va du au Obando là pour l'instant euh, la prochaine attaque. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il veut dire Ah. Je vais me faire piquer. Ruben Arrojo, le Landoran. J'ai proposé un contrat, mais vu les clubs qui sont sur lui, je pense que je vais me le faire piquer. Et je pense que financièrement on va se foutre un peu dans le rouge avec les arrivées de Jota et, et Samarzic. J'espérais euh, renflouer un petit peu avec une vente. Mais on peut déjà faire une croix sur, euh, sur Pavidis. Hein. Ça va être le retour là, le retour des joueurs. Les vacances sont finies, les gars. Offre de la Z pour Farias. Ça, ça, ça m'intéresse. Mon client préféré rejoindre Damak. De the fuck? Euh, Domac? Damak en Saudi League. Alors là, avec vu le monde qu'il y a, on va se permettre de faire monter les enchères. Allez, 8, 2, 2, 5, 30%. On monte à 12,5. Allez, on va monter à 13. 13 millions, c'est ok. Moi, je l'avais acheté 7. 13 millions, première offre. Et Goodolge, c'est fini pour lui. Merci pour tout. Au bandeau qui ne veut pas prolonger. Ok. Alors lui, on ne l'aurait vraiment jamais eu. Peut-être cette saison, il va faire la prépa avec nous, en tout cas. On va faire la prépa avec euh, Pedro là, Ricardo Pepi. Et Allen au ah, C'est le début des transferts. On va reformer son effectif. Ricardo Pepi est là. Au qui passe en équipe première. En vrai, je pense que Luis Munoz, il va pouvoir apporter très, très tôt aussi. Hein. Luis Munoz, euh, on, on va faire monter euh, la jeunesse. Hein. Merelles, il a donné quoi Rappelez-vous, je l'avais récupéré gratuit. J'avais prêté à Elche, 3 buts seulement pour Merelles. On a déjà Jota et Samarzic qui arrivent. Je pense que ça va être pas mal. Ouais, voilà, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. Bon, Lucas Roman, euh, on sait très bien que c'est pas pour l'équipe première. Lucas Roman. Sevilla Atlético. Par contre, Jota, moi je pense que c'est vraiment pas mal. Sauf que, bon, il aura sûrement perdu un petit peu de niveau euh, en Arabie Saoudite, mais il a quand même joué. Euh, le salaire n'est pas si excessif. Et puis il y a une valeur euh, potentiellement à la revente, faut aussi y penser. Mais je pense qu'il peut avoir un impact immédiat, surtout si Farias s'en va, hein, on remplace... Euh Arias par Jota. Et l'arrivée de Sabarzic, on sait que c'est, un joueur de classe mondiale, qui certes est un des joueurs les plus payés du club. Il y a aussi Alan Maturo, qui aura un rôle, je pense, en équipe première, lui que j'avais acheté, que j'avais laissé en prêt. J'ai acheté au Génois, j'ai laissé en prêt là-bas. Il a un potentiel intéressant. On a récupéré pas mal de monde et on va récupérer Jetson aussi. Non, l'équipe était déjà quasiment prête, en fait. L'équipe était déjà quasiment prête. On va regarder niveau budget, parce qu'à mon avis, on va se mettre, ouais, on est dans le mal, hein. Niveau budget, il nous reste que 12 millions. 12 millions, j'ai vu qu'il y avait des libérations de joueurs, bon ben, c'est souvent des vieux joueurs, hein. à part Carlo Adriano qui est pas mal, et j'ai vu euh, qu'il y avait un German Valera aussi, à l'époque c'était pas mal, à la limite pour l'équipe B, hein. ou Thomas Alalcon, Gibrilso, prêté avec option d'achat obligatoire à, à Southampton, offrait une dizaine de millions d'euros, offre de bruges pour Oliver Torres. Oh, les, les prix... Vous euh. voulez m'arnaquer les mecs, au moins 3,5 millions. Ah, mais Pavlidis, il va louper toute la saison. Le temps qu'il revienne, qu'il faut le revendre. Là, on aurait pu surfer sur le hype, mais là, ça m'arrange pas du tout cette histoire. Oliver attire les convoitises, donc tout le monde s'aligne, ça me va. Bientôt de le début de la saison. Les promus sont Elche, Tenerife et Alba CT. attendre que ça se tasse un petit peu. Que Farias quitte le club. Que So et Oliver quittent le club. Pour refaire un point sur l'équipe. Ça peut être la super saison de Pedro là aussi. Hein. Ça peut être. Euh, la blessure de Pavlidis peut libérer, euh, peut libérer des places. On part en Écosse en préparation, les gars. J'amène tout le monde. Obando, Mereles, Luis Munoz, Bacariso On amène tout le monde. Un clin d'œil sur la dynamique. On a Oliver qui veut partir, donc ça, ça va être fait. Farias qui veut partir, ça va être fait. Nicolas Romero qui s'est mis à gueuler. Alors que le gars, il n'a pas prouvé tant que ça. soi disant il veut rejoindre un meilleur effectif. Ok, bon, personne ne s'intéresse à lui. Lucas Romero, bon, bah lui, euh, s'il y a un gros club qui s'aligne, pourquoi pas. Et Obando, bon, bah il voulait aller à la Parseille. Rien, euh, Rien de bien inquiétant. Bon, Farias a refusé la Z. Donc, euh, on va voir s'il y a d'autres clubs qui se positionnent. Et Eric Martel a pris 3-4 semaines au tout début de la préparation. On n'a même pas fait de match amicaux encore. Donc, euh, yes, cool, cool. Le Conga, au Réal, ça va bouger. Hein, ça va bouger pendant ce Mercato. Offre de Monaco pour Maturo à 10 millions, alors qu'il a jamais joué pour moi. J'ai acheté 6, mais j'aimerais bien le tester quand même. J'aimerais bien le tester, il y a un pourcentage, etc. Mon client est vaguement intéressé, donc on va refuser. Et Carmona qui n'est pas intéressé. Mais Carmona, je le garde, hein. il, est, il est bien. Il a un potentiel intéressant. Et Armon Signanis, Sinianis, un joueur que j'observais depuis un petit moment. Petite hausse de réputation. Ocampos attire les convoitises. Oh, bah, carrément. Carrément. Surtout que Ocampos voulait pas prolonger, donc j'allais perdre gratuit. Là, on a Lille qui est prêt à mettre 25 millions. Donc, 13,5 tout de suite. Et Arsenal, euh... Arsenal, on va voir ce qu'ils qu peuvent mettre. Ils peuvent mettre 15 et plus. On va quand même pas abuser non plus. Mais Arsenal, ça monte à 25 millions cash. Donc, euh... et Lille. Lille, c'est pas mal aussi, en vrai. Mais c'est après 50 apparitions, alors comme euh, non. Refuse Lille et j'accepte Arsenal. Ça débloque, ça débloque bien là. Si ça conclut, parce qu'il faut le permis de travail, faut il faut qu'il accepte et tout, donc c'est pas encore gagné. Tant qu'il n'a pas officiellement signé. On affrontera l'Atlético en super coupe. Super coupe toujours dans le même système. 90 millions de droits TV. Voilà, ça c'est bien. Le calendrier face à la Sociedad. Première journée espagnole, Mallorca, Madrid et Bilbao. Augmentation des salaires. So refus of Santon, il faut arrêter. Et le départ d'Oliver. On va pouvoir organiser nos amicaux, notamment en stage de prépa, donc contre des clubs écossais. On va jouer à Berdine. à Berdine, c'est pas mal. On va jouer l'UFC Édimbourg, Troisième club écossais. Allez, pour le petit clin d'œil, on va jouer à Hartlepool. Hartlepool. Le premier match amical, on a gagné 1-0. But de Pedrola. là, qui se blesse. Le problème que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de transferts qui sont en train de se passer sous mon nez. C'est-à-dire que j'ai pas forcément le budget pour m'aligner. Robert Boznik et sans club. C'est pas mal, hein. Est-ce qu'on ferait pas euh, du même principe euh, une espèce d'achat-revente Robert Boznik, ça peut m'intéresser. Pas trop regarder les, les joueurs qui ont été libérés. Et pas trop vieux de préférence. Il y a Ruben Neves qui est sans club. Ruben Neves est sans club. Alors, oui, il a des prétentions, à mon avis, qui sont très très hautes. Entre un million. Ouais, mais c'est trop. Mais, mais... C'est juste trop. C'est juste trop. Qu'est-ce que tu me demandes, là Personne veut de toi. Il y a des jolis noms, hein. Il y a quand même des très très jolis noms sans club. Ah, je vais pas prendre Robert Boznik. Je pense que niveau offensif avec Pepi et Obando, il faut que je donne la chance. Et on a battu Edinburgh 9-0. Gros match d'Alain Obando finalement. Doublé de Jota. Il a marqué un quadruplé. Bon, bon, je sais que c'est de la préparation, mais au moins, ça peut donner des idées pour l'équipe première. C'est la fin d'une légende du club, Lucas Ocampos, qui Quitte CV pour Arsenal à 32 ans, c'est 20 millions d'euros. 25 millions d'euros même avec la prime euh, pour un joueur qui est arrivé pour 15 millions et qui a vraiment euh, fait le bonheur du club. Donc merci pour tout et merci de ne pas partir libre gratuitement. Donc ça va nous faire du bien. Ça fait bizarre de voir au campus avec le maillot d'Arsenal. Mais nous financièrement, ça nous remet bien. C'est quand même un gros salaire qui se libère. Donc il va falloir réfléchir à à comment on organise tout ça. Pour l'instant, moi je vois bien euh... donc Samarzic Forcément, la vraie équipe ça serait euh, Ça serait ça je pense euh, Ouais, J'ai pas Martel mais normalement ça serait Martel ici Ok Jetson hein. Jetson à la récup juste derrière Avec Medina Samarzic Tu joues avec Eric Martel dans la rotation Ricardo Pepi, Jota, Romero On est bien 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 Il y a aussi Oba... Abaldo euh, qui va jouer un rôle Il y aura Obando devant Obando qui aura du temps de jeu ça c'est sûr ouais, Jachari à Monaco c'était un joueur que j'observais Que j'aurais beaucoup aimé avoir mais euh, J'ai pas pu me positionner et voilà, Obando qui passe citoyen espagnol. C'est aussi pour ça euh, que je n'ai pas pu le lancer tout de suite. Il est arrivé à 18 ans. Et pendant deux ans, il est passé par Leganes et Séville Tético. Deux saisons pleines en Liga Dos. Et je pense que là, il est prêt, ou pas d'ailleurs, à, à jouer en équipe première. Il n'a quasiment pas évolué depuis que je l'ai recruté en deux ans. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur. À moins qu'il me remette un quadruplé contre Ars Le Poule. Et là, on va reconsidérer victoire en zéro. But d'Oscar. Toujours là. Et normalement, en termes de hors-Europe, j'ai Pépi qui devrait bientôt passer. Il reste 43 jours et, et c'est bon. Je pense que Nicolas Romero, ça devrait pas trop... Alors ah, non, il reste beaucoup. Il reste beaucoup et Farias... Ah bah lui, il est en train de le faire. Mais bon, lui, il veut se barrer, donc hommage d'ailleurs. Ouais. Bah, il n'y a que eux qui ont les moyens, hein, dans tous les cas. J'ai 30 millions, je sais pas quoi, quoi qui, comment, euh, quoi acheter en fait. Peut-être en arrière-droit. À gauche, on a Gutiérrez, Reguillon... Et sais Pas si j'aurai la place pour lui. Hein. Ah, mais il va falloir miser encore sur euh, sur un gros gros attaquant euh, aux alentours de 30 millions, à moins que je prenne le risque de lancer Pépi euh, Titu direct. Pépi avec Obando euh, et Pedrola, voire Pedrola aussi. Hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin Si j'achète un gros, en fait, le problème c'est que j'achète un attaquant qui vaut 30 millions. Bah, je fais une croix sur la, la possible évolution rapide d'un Pedrola, d'un Pépi ou d'un Obando. Je vais leur faire trop d'ombre. Va quand même voir. On va quand même voir euh, qu'est-ce qui pourrait être listé en buteur. Alors là, c'est trop cher. Hugo Duro, j'avais observé. J'ai les moyens. C'est pas mal, mais je vois pas la plus-value par rapport à ce que j'ai déjà. Luke Baku qui a été remis en vente par, euh, par Porto. Avec des belles saisons. Ouais, c'est pas, pas ultra intéressant ce que je vois là. Je vais aller euh, sur Samuel Suarez. Suarez en troisième gardien, voire deuxième gardien. C'est vraiment pas cher. Et ça sera mieux que. Hey, l'Italie remporte la Coupe du Monde 2026 wow, face au Portugal. Incroyable. Surtout qu'il demande à être remplaçant, donc moi ça me va très bien. Petit salaire. Alors là, il n'y a vraiment euh, aucun doute sur le fait que, bah, euh, il sera sûrement meilleur que Santiago Mele. Que s'il ne part pas, ça me va aussi d'avoir trois gardiens. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça peut tellement te, te flinguer une saison, euh, une blessure inattendue d'un gardien dans un mauvais moment. Mais il attire les convoitises C'est le Rijeka, bah il faut choisir hein. Offre de valence pour Robando. Ah il est, il est chaud pour aller les rejoindre. Bah non Et Campana, meilleur buteur de la Coupe du Monde. Alors que j'étais... Euh, je l'observais, J'avoue que euh, c'est un joueur qui m'intéressait. Et qui, je pense, peut avoir un bon rendement. J'ai toujours vu avec beaucoup de buts marqués. Euh, Leonardo Campana. Je vais me programmer des amicaux un peu plus costauds. Je peux. Pas grand chose. On va jouer Malaga. Le week-end, là, on peut jouer des, des. Ouais. On peut jouer des matchs. Euh on va jouer contre Al Nasser, comme ça je leur parle de Pavlidis, bon, les gars, et c'est vrai qu'il est blessé, mais bon, euh, Pavlidis, quoi, Pavlidis, 60 millions, il est à vous. Allez, l'amicale contre Malaga, ensuite ça sera Al Nasser, et finalement c'est un mercato qui est assez calme, hein, donc, euh, ça peut arriver, 3-3, ok. Euh, but de Pepi, but de Pepi, et but de saut, ça me va pour le doublé de Pepi, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça confirme mon idée que, bah, il est peut-être prêt. Je vais regarder s'il n'y a pas des prêts qui peuvent être intéressants aussi. Comme j'avais fait la première saison avec Barcola, j'ai un Pablo Toré qui peut venir dans la rotation. Et au pire, je me le fais retirer parce que je le fais pas assez jouer, c'est pas très grave. Ou Alvaro Rodriguez. Hein. Alvaro Rodriguez a toujours été une option. Et c'est vrai que du côté de Valence, il bah, y avait Baturina qui est mécontent. Hugo Duro qui veut partir. Sergi Canos qui veut partir. Baturina à combien ouais, je pense que lui ça va être cher par contre. Guillamon qui est mécontent. Euh, c'est ouf, hein, ils vont perdre tout le monde. Barcola qui est encore sur la liste des prêts et qui n'a pas progressé. Pourquoi Parce que Paris ne le fait pas jouer. Ouais, t'as la chance de faire 20 matchs en Liga. Et derrière, tu joues euh, l'équipe 2 du PSG, quoi. La carrière est foutue. Péronet qui est encore là. Casadei euh, aussi, qui est un très bon joueur. Atrofofana aussi sur la liste des prêts. Youssef Charmiti, c'est très très bien. il oh, y a vraiment de quoi faire, hein. Mais là, ça ne m'intéresse pas. Et on va prolonger Juan Loup pour qu'il soit content. Après les autres, c'est pas ultra grave. Il n'y même pas d'offre. J'ai vu une nouvelle qui fait plaisir. Medina, citoyen espagnol, ce qui libère encore une place. Là, ça va se libérer petit à petit et ça fait plaisir. Du coup, je peux enregistrer Farias qui va se libérer. Donc, et Pepi, ça va se libérer aussi. On va vraiment se mettre très très bien. On va pouvoir à nouveau refaire une campagne Amérique du Sud. Enlever ça, du coup, et trouver un poste de buteur. Attica j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur, on va l'observer. Ça risque être un peu cher. Et je continue, je regarde un peu euh, les attaquants. Je sais que je peux avoir les moyens. Euh... On peut se faire un petit peu plaisir quand même. J'ai lancé beaucoup d'observations. Oh la victoire face à al Nasser, Luca Romero qui sont de la charge avec Abaldo, avec Pedrola et Pepi On fait une bonne prépa. Franchement on fait une bonne prépa et je suis content que, que pepi et Obando euh, ça tourne bien devant. Bah, surtout pepi en fait. Surtout Pépi, je pense qu'il est prêt, il est chaud. Euh, je me vois pas lui barrer la route. Le gars, je l'ai prêté à Valladolid, il a fait le taf. C'est ce que j'attendais de lui. Il en a encore sous le pied et pour progresser, il faudra euh, progresser. Il faudra, il faudra qu'il joue. Hein. Ouais, la progression de Ducouré n'est pas forcément celle que j'attends. Sachant que je peux récupérer Kike Salas qui est à peu près au même niveau. Ou alors je le vends, j'achète un... un def. J'ai déjà Nicolas Romero. J'ai Diomande. Je sais pas trop. J'avoue que je me suis pas renseigné sur la défense parce que j'étais assez bien. Regardez s'il n'y a pas une opportunité. Et Lustondo est un petit peu vieux. Rosema Sanchez aussi. Euh, Lovato à 8 millions. Bruno à Mionet, j'aime bien moi. Allez voir. On va voir ce qu'il vaut. Je pense que je vais essayer d'accepter. En augmentant quand même l'option d'achat à 5 millions. Elle est à 4. 3,5, 7 ,5 millions et demi avec les versements, c'est pas mal en plus. Hein. Il y a une grosse contribution mensuelle. On va accepter, on verra bien. Peut-être le départ de Dooku, bon, c'était pas prévu, mais bon, Il n'a pas été transcendant non plus. Il n'est pas indispensable. Mais, mais Yanzu, j'ai déjà un offre avec lui. Il me semblait l'avoir prolongé, ok. Et certain c'est que, voilà, je le prolonge, je lui fais tout ce qu'il veut. La fronte docteur Strange, rien de triste qui ressemble. <laughs> mais du coup, il y a tout le monde qui, qui s'y met là. Ouais, non, mais c'est non. Et Ruben Neves retourne euh, ben, là où il y a l'argent. Et l'arrivée de Samuel Suarez. Samuel Suarez, le gardien euh, ben, remplaçant, qui aura des matchs, qui va jouer un petit peu. Enfin, j'ai trop de joueurs dans l'équipe. On a trop de joueurs dans l'équipe. Est-ce que j'enregistre Pavlidis Parce que là... Euh... Oh, c'est Louis Smith hein, que je ne veux pas enregistrer Louis Smith il est très bien mais il est au max il m'avait fait des bonnes saisons mais il est peut-être temps euh, de s'en séparer une dizaine de millions d'euros quand même hein. et Djibril qui s'en va à Bruges on a deux versements euh, qui atteignent 4 millions 5 millions supplémentaires et avec des avec 80% du salaire plus une, in une indemnité de joueurs non utilisés et utilisé mais plutôt bien alors, nous est prêt à rester yes Roberto qui s'en va pour le salaire offre pour Louis Smith à 10 millions 10 millions cash alors là on va juste rajouter un pourcentage sur la prochaine vente. Et voilà. Ça me va très bien. Pas difficile, vous avez vu, en affaire. Ça arrive, tu me lâches 10 millions. C'est ok, victoire 3-0 face au Sparta, Medina, Medina et Ousmane Diomande, c'est bien. Après c'est bien que, y... que ce Mercato soit pas forcément très très agité non plus, vu comment ça a été agité sur les derniers, ça peut être bien qu'au bout d'un moment, euh, bon, on arrive à stabiliser une équipe d'Hippo qui a plus du tout le potentiel qu'il avait à l'époque. Et ça va déjà être le dernier match amical de la préparation, et dans une semaine, c'est le début de la Liga, face à la Sociedad, j'arrive pas, en... <laughs> pas à le croire, j'arrive pas à me projeter. Parce que l'équipe a pas trop trop changé, que le mercato a été euh, plutôt calme, victoire grâce à Pepi Romero, Sergio Romero qui marque, ça c'est bien, et Luis Munoz, ben voilà, les deux jeunes qui ont marqué. Et euh, c'est vrai qu'il y a cette option là qui peut être hyper intéressante. Mais la vraie équipe, ça sera Samardzic, Medina, Fernandez, Jota. Il veut toujours partir, mais bon, on va pas forcer le destin. Hein. On va pas forcer le destin. On pas de mal qu'il reste un peu plus. Enzo, Diomandé, Juan euh, on est bien. Hein. On est très très bien avec Pepi, avec Jota et Samardzic, euh, Medina, le, 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 le duo là. Sauf qu'il y a une belle, belle amélioration de l'équipe avec intégration des jeunes. Après, je vais faire mon premier craquage. Euh, je vais acheter un new gen. et sous salkasser, il a une clause libératoire à treize et demi, quasiment 14 millions à 18 ans, un potentiel annoncé haut avec 17 sept définitions, 17 sept de technique, label euh, détermination. franchement, ça m'intéresse de ouf. quand je vois les stats qui, qui, qui sont là, je suis en train de l'observer et je fais une offre à la hauteur de la clause libératoire. Et d'ici qu'on négocie le contrat, j'aurai plus de, de précisions sur, euh, sur ses performances. Et sinon, euh, bah, Tati Castellanos. Hein. Qu'est-ce qu'il est bon. Il est vraiment très bon, euh, Castellanos. Mais Entre 19 et 28 millions. Ah ouais, mais je préfère le jeune. Hein. Je préfère le jeune Ressus Alcacer. Hein. Pas son profil physique. Bon, pas lui. 1 84 c'est pas mal. Hein. accepté. En plus, il va être joueur secondaire. Il n'a pas de grosse demande. On met une grosse clause libératoire. 80 millions. On peut l'enlever, non Pas besoin de le payer plus que ça. Oh non, il veut. Ok, on va négocier ça pour le euh, pour Alcacer. Est-ce qu'on le laisse en prêt Ou est-ce qu'on le prend direct J'aime bien envie de le lancer, mais direct. Hein. J'aime bien, on refuse de prêter. Alors, est-ce que ça va s'affoler maintenant Offre pour Alvaro Sanz Non. Pour Bermejo, non plus. Ça, c'est équipe 2. J'en ai besoin. Lui, il est intéressé. Là, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Que Je peux le rappeler quand je veux. On va me, déjà me lâcher un million. C'est euh, quel Carboni Préparateur euh, U19. Bruno mionné. est-ce que ça peut remplacer euh, Ducouré Bof. Lucas Monzon, est-ce que ça peut remplacer Un peu mieux. Franchement, un peu mieux. Il y a des choses que j'aime bien. La rivalité avec l'Atletico. Et avec Valence en déclin, parce qu'ils sont en deuxième div. Ouais, donc Ducouré à l'Anse, officiel. Je vais devoir trouver un défenseur, juste pour assurer le nombre. À moins que je fasse monter, euh, monter Kike Salas. Ou que je prenne un prêt euh, qui est pas trop, pas trop embêtant. Je vais faire une offre pour lui. J'ai trié par défenseur espagnol. Et je suis tombé... So Lucas Taibo, espagnol formé à la corogne. J'avoue que c'est un peu à l'aveugle, mais du peu que je vois, je le trouve pas mal. J'espère juste qu'il sera ok voilà, pour être remplaçant ou secondaire. C'est très très bien. Il a pas de grosses attentes, même s'il a pas beaucoup de temps de jeu. Il a que 20 ans. Il a un profil un peu comme Ducouré qui a quand même eu son temps. Hein. Ducouré, il faut pas. Ducouré, il a eu son temps. C'est juste qu'il progresse pas assez vite à mon goût. Ah, Moscardo, euh, c'est Moscardo, vrai que ça peut être pas mal, mais là au milieu, on est un peu bouché quand même. Et l'arrivée directe de Lucas Taibo. Décidé rapidement, ça c'est nickel. Nickel, nickel est intéressant. Les stats de base sont pas dégueux. Non, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bah, il, va avoir sa, il va avoir sa part... Euh, il va avoir sa part du temps de jeu. J'espère euh, bah, découvrir ce genre de profil. Hein, des, des mecs qui peuvent... Euh, si ça monte à et demi, c'est bien. Si ça s'arrête si ça avant, c'est bof. Il y a un petit sas de marquage. et la détente qui me plaît bien. Il n'est pas très technique. Mais je pense que pour la, pour la rotation et pour les petits matchs, euh, il fera l'affaire. C'est aussi le but de ce budget. Hein, vous avez vu Pépi je l'ai acheté il y a un petit moment et il va avoir un impact que maintenant et c'est un peu le but aussi de voir un petit peu plus loin que la saison actuelle on prépare aussi euh, la saison euh, dans deux saisons dans trois saisons peut-être un joueur comme euh, comme Taibo sera sera pas mal dans, dans plusieurs années mais moi j'attends surtout l'arrivée de Tresos Alcaser ça peut se faire euh, là on tient pépite et d'ailleurs je vais je vais changer sa tête je vais vous montrer un petit peu comment je fais. On choisit une tête euh, qui est là. Alors celle-là est pas mal pour rester Alcacer. Hop. Je le mets dans mon fichier euh, Football Manager, Graphics, Sortie2C et Face. Je récupère l'idée du joueur en l'affichant juste ici. Du coup, je renomme avec l'idée qui est juste là. On ouvre le fichier config modifié. Et là, je prends une ligne existante, j'en rajoute une et je modifie par l'idée. Hop, et je colle. Et on regarde bien que si c'est un new gen, il faut qu'il y ait le R hein, tiré de ce côté et pas de ce côté. Voilà, si c'est des faces classiques avec des joueurs déjà existants, il n'y a pas le petit R. Et tout ça, c'est des new gen que j'ai modifiés. On enregistre, on revient dans le jeu, on relance le thème. Et alors là, la magie... Enfin la magie, il faut comprendre juste comment ça marche, hein, c'est tout simple. Mais je ferai une vidéo dédiée à ça si jamais, euh, si jamais vous avez du mal à le faire. Et voilà, Jesus Alcacer, Milibo, on espère qu'il va signer chez nous. Et il va pas être là au, au premier match, il sera pas là au premier match. Ah si, bah voilà, Alcacer. Jesus Alcacer, formé par Elche, sorti du centre de formation d'Elche, qui nous a sorti, euh, je pense, une bonne pépite. Ouais, 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 pas mal. Franchement pas mal. Franchement pas mal. Pas mal du tout même. Très, très, très bien. Et sous Alcacer, il va venir mettre un peu de concurrence. Sachant qu'on a déjà Luis Munoz, qui est pas mal aussi dans son genre. Et Romero, qui est prêt à rester. pépi blessé trois semaines, juste avant le premier match. C'est la boulette, parce que on a acheté Alcacer, qui était déjà blessé. On va peut-être débuter avec Pedro là, si tu. Bah, C'est sûr même, et au bandeau qui rentre. Euh, ok, ok, ok. Faria, citoyen. Il fait qu'en termes d'enregistrement, Farias n'est plus hors Europe. Alcacer, pas besoin parce qu'il est U19. Et on a toute l'équipe, toute l'équipe qui est là. Et on va pouvoir préparer avec le retour de Martel. Mais je pense qu'on va faire débuter Jetson, Jota, Romero, Pedrola et Obando qui rentrera. Ah, Taibo, Taibo j'ai hâte de le, faire, de le faire un petit peu jouer aussi. Romero et Taibo en remplaçant. Et là, euh, le poste d'attaquant, euh, là j'en mets de la concurrence parce que Pedrola qui veut prendre la première place, Pepi il voudra absolument prendre la première place. Bon, mais Pavlidis il est, il est cramé. Alcacer il vient d'arriver, il a que 18 ans, on va pas lui mettre une pression monstre, mais il aura quelques entrées en cours de jeu, ce qui va mettre dans une situation très compliquée. Alain au bandeau. Alain au bandeau, il va falloir être très très solide pour gagner la place parmi cette concurrence. Il va y avoir, je pense qu'il pourra y avoir un sacrifié parce qu'il n'y a pas tout le monde qui pourra percer. Et j'ai un petit, euh, petit hype sur Jota aussi. Ça peut être un énorme flop. Franchement, je prends un risque avec lui. Samarzit, je ne pense pas. Je pense qu'on se met très très bien au milieu de terrain. Surtout qu'on va pouvoir faire de la rotation avec Martel et avec Oscar. Donc c'est vraiment pas mal. Ça me fait deux, deux milieux def dans la rotation et un troisième milieu ici, sachant que Farias. J'ai déjà fait jouer milieu centre, ça se passe plutôt bien aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le mercato n'a pas été très agité, mais voilà, petit à petit, il y aura des ajustements comme ça. Quelques recrues. Euh, il y a quand même de la hype, hein. franchement, il y a quand même de la hype sur ce mercato qui a été moins euh, moins clinquant, mais peut-être plus rationnel. Je sais pas quel mot. Le départ de Campos qui nous met bien, et ensuite ben, Suarez, je pense qu'on en a besoin. C'est vraiment du haut cas où, mais je suis content de l'avoir. Euh, Taibo qui n'était pas prévu mais qui va venir euh, remplacer le départ d'Ismaël Doukouré et euh, Beresou Salcaser c'est je pense une énorme pioche et après Jota et Samarzic euh, c'est deux titus euh, en puissance qu'on qu récupère donc pour l'instant on, on se met assez bien à la fois financièrement ça, ça rentre clairement dans les clous et sûrement pour l'avenir aussi on se met bien sachant qu'il y a Louis qui va partir pour 10 millions donc ça devrait aller en tout cas je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis à très vite, salut tout le monde